Salut à tous et à toutes, c'est Plitzkin V5, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte online de GTA V. C'est pas moi qui conduis. Et là vous pouvez voir qu'on est 4 dans la voiture. En fait c'est le tout début du multijoueur, donc on découvre ensemble. Je viens juste de faire la course, j'ai fini 4ème. Et là on doit se rendre à je sais pas où, il y a un mec qui a quitté la partie. Donc voilà le GTA Online qui a l'air vraiment pas mal. J'avais vu la bande annonce avant du GTA Online et c'est vrai que c'était pas mal. Ce GTA 5 Online a l'air d'être très 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 prometteur et je pense que je vais vous faire quand même pas mal de vidéos sur ce GTA 5 Online. Je vous invite aussi à aller voir ceux qui découvrent le multijoueur. Je vous invite aussi à aller voir mes vidéos sur la découverte du mode histoire, hein, toutes les activités, etc. Enfin, plein de trucs, les environnements. D'accord, donc là on n'est plus que... Il y a des mecs qui ont quitté la partie. Donc voilà, j'ai fait un personnage un peu vite fait, hein, pour vous dire, j'ai fait un personnage aléatoire. J'ai juste mis la casquette en fait en plus et tout. Donc là on doit récupérer la drogue. Et je vais me dépêcher parce qu'il y a mes amis qui partent sans moi là. Allez c'est parti. Ouais bon, perso quand même pas mal stylé. En fait vous avez une sorte de principe, je vous ai pas... Attends, j'arrive les copains, hein. Partez pas sans moi. Attends. Ouais je sais, j'arrive. Ah mais y a plus de place. Ah si. Ok, donc le mec s'est décalé. pas mal le mec qui s'est décalé pour me laisser rentrer quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le choix du personnage je voulais pas montrer parce qu'en fait je voulais directement vous plonger dans le bain de l'action. Mais en fait c'est vous commencez, en fait vous créez vos grands-parents en fait pour pouvoir créer votre personnage en fait. Le principe est assez bizarre. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc là c'est pas moi qui change la radio, c'est le mec qui dirige la radio. C'est celui qui conduit qui change la radio. En gros là j'écoute ce que le mec écoute. Donc là en faisant flèche de bas je vois en fait tous les joueurs qui sont affichés. Donc en fait on est 4 là. Liquide j'ai 3022$ et banque j'ai 8607. Je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant, donc le mec a pas l'air de savoir conduire. Ah merde, là on a un rond rouge autour de nous, à mon avis ça doit être les... Ah je sais pas trop ce que c'était. Donc le mec est en train de tirer partout. Donc, là on doit récupérer la drogue comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et franchement je suis super content, donc on se retrouve aujourd'hui sur encore une fois sur GTA. Ça sera pas la première vidéo que je vous ferai peut-être des vidéos avec des potes à moi IRL. Sur ce GTA Online, ça pourrait être marrant. Le mec fait que changer de radio. À ce qui paraît on peut faire quand même des braquages, des trucs comme ça, donc ça a l'air vraiment vraiment prometteur comme je vous l'ai dit. Pourquoi il est sorti de voiture lui? Ah non c'est un mec. Donc le mec il sait pas trop conduire hein. À mon avis on doit sûrement rattraper la voiture. Et on doit à mon avis... Ah il est là. Ah non il est pas là. On doit sûrement tuer le mec. J'essaie de le tirer dessus. C'est lui. Hey, tu vas où? Ah putain il sait pas conduire le mec là. Allez mets le turbo, mets le champignon chauffeur. Et ouais, Los Santos. J'ai pas encore fini l'histoire en fait et je suis directement allé dans le multijoueur, faute à moi. Hein. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. Je suis à 50% du jeu pour vous dire. C'est celui-là, on va essayer de le tirer dessus. Mais je voulais absolument découvrir le GTA Online avec vous. Donc Oh, je pars dans tous les sens là. Merde! La drogue a été lâchée. Là c'est sûr que la drogue a été lâchée là. On a carrément explosé la voiture. Je sais pas si ça va faire un échec ou pas. J'espère pas. En tout cas, on a un petit chargement et j'ai galéré. Hein, parce que les serveurs étaient bouchés de chez bouchés. Attends, une petite cinématique. Alors. C'est qui lui? Well, goddamn, you antisocial motherfucker, you gonna speak? Hey. See, I told you, y'all gonna get along. Great, y'all can get to take this shit on the road and have your little ventriloquist act going on. Maybe you can stick your hand up his ass. Give him the dough. Yeah. All right, here. Mais merci, mon petit. It's right. Don't bother counting it. You get anything else interesting, bring it my way.
What I tell you? What I tell you, motherfucker? He like you. And now you got you some bread. What you need to do is go get you some motherfucker. Je suis sapé correctement, mon petit. Ce qui est pas mal, c'est que en fait c'est le multijoueur, mais c'est aussi de l'histoire. Enfin, c'est ça fait un peu des deux, quoi. Parce que lui, en fait, là, la main, là, c'est un pote de Franklin, hein, vous le savez. Vous le savez très bien, mais ce qui est pas mal, c'est que ouais, voilà, on peut faire des missions pour gagner du fric. Et le fric va être, à mon avis, quand même pas mal important dans le multi, quoi. De toute façon, le fric est important dans GTA 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, position 3ème. Non, ah non, non. Non, on a pas de position vu que c'était une mission. Classement en ligne, RB. On a le classement en ligne. Là, je vois rien. Bon, écoutez, on va faire retour. On va faire continuer. Voilà. Donc, les missions, c'est toujours à 4, d'après ce que je vois. Donc, à mon avis, les braquages aussi, ça sera à 4. Et ça me tarde vraiment de faire un petit braquage, là, avec mes amis RL. Malheureusement, là, il y a mes potes IRL qui sont pas là. Je voulais faire la vidéo avec eux, mais de toute façon... Alors, des boutiques sont maintenant disponibles, il est indiqué sur la carte. Coiffeur, vêtements, d'accord. Allez dans un magasin de vêtements. Ok. Donc, il me propose de monter avec lui. Mais, voilà, on va monter avec lui. Pour voir les magasins, appuyez sur... Pour agrandir. Ouf. D'accord. Là, en fait, on est 16, il me semble. Donc c'est comme dans GTA 4, normalement on est 16 par team toujours. Pour voir sur le magasin, appuyez sur deux fois pour agrandir le radar. D'accord. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Donc à mon avis le magasin va être surchargé vu que... Il y a à mon avis... Alors l'argent que vous gagnez sera ajouté à votre capital personnel indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran. D'accord, ok. Vous faites tuer, vous perdez une partie de cet argent que les autres joueurs pourront récupérer. Ah d'accord. Vous pouvez placer de l'argent à la banque pour éviter de le perdre. Pas mal, pas mal. Un très bon principe. Ah j'adore, j'adore. Acheter des vêtements, il n'y a pas de souci. On va essayer d'acheter. Oh, regardez, regarde. Eh, putain, c'est vraiment pas mal. On se croirait dans le mode histoire, mais avec des joueurs. Avec des joueurs en fait. C'est vraiment énorme. Oh, c'est vraiment énorme ici, non, c'est. On se croirait dans le mode histoire avec des mecs, quoi. C'est fantastique. Acheter des vêtements, qu'est-ce qu'on va acheter? C'est pas un magasin super chicos, ça. Il y a des fusillades de partout, hein, d'après ce que je vois. Est-ce qu'on peut se faire... Est-ce que les mecs... Ah, pas mal, le petit... Vous savez quoi? Je vais le mettre en rouge. On va se la faire à la... À la Scarface, voilà. Blouson en cuir, ah, un blouson en cuir aussi. Non, on va garder notre petit. Ah, mais je l'ai pas acheté, je crois. Ah bah oui, je suis con, je l'ai pas débloqué. Alors si je mets un truc que j'ai pas débloqué, ça va pas le faire. On va le mettre en blanc. Allez. Là pour l'instant j'ai 8257 à la banque. On va acheter un blouson, on va pas acheter de blouson de cuir, on va acheter un t-shirt qu'on mettra en dessous la petite. Un petit. Je vais mettre ça. Voilà. On va acheter un petit jean et après voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Débardeur, non. C'est où les jeans? Les jeans, là-bas. Bon, j'avoue que la casquette ça le fait pas trop avec le. Ça ne le fait pas trop, mais bon. Chaussures de skate. On va mettre ça. Les chaussures de skate avec un... Ça fait pas trop non plus, mais bon. Chaussures running, non. Chaussures de sport. Moi, je veux. Il n'y a pas de jean, bordel de merde. Pour voir les hauts. Non, je veux pas les hauts, moi, je veux un jean. Ah, il y a des casquettes. On va pas s'acheter de casquettes. Bon, on va garder ce jean-là. Vous savez quoi? On va changer, on va plutôt mettre une chemise, en fait. Parce que là, ça le fait vraiment pas. Chemise. Ouais, quoique, comme ça, ça pourrait le faire. Ouais, non. Comme ça, ça le fait encore mieux. On va se la faire à la Franklin. Bon, allez. C'est parti, on se casse. Vous pouvez changer de lunettes, de chapeau et de masque dans le menu interaction pour ouvrir le menu et choisissez inventaire. Ok. Pas mal, là, alors. Le menu inventaire, où est-ce qu'il... Ah, c'est pas plutôt select qu'il fallait que je fasse.
Non, select c'est pour changer de vue. Attends, on va monter avec lui, il veut que je monte. On peut changer pour ouvrir, d'accord. Alors, où est le menu inventaire? Je sais pas où est-ce qu'il est, moi. Ah, attendez. Parcourir. Masquer menu, non. Changer de personnage. Je ne vois pas trop ce qu'ils m'ont dit. Maintenez un simulateur pour exécuter des animations. Vous pouvez en changer dans les options du menu interaction ou le. Dans l'option du menu interaction. Je comprends pas pourquoi il me klaxonne, mais. Attendez parce que là je. Attends, on va monter avec lui. Pareil que les affaires tournent bien pour une boutique du coin de l'oreille. Il va y avoir un sacré. Il y a un mec qui m'invite. Comment je fais? Alors. SMS. Ouais. Liste d'activités. Invitation à braquage. Ouais, pourquoi pas. On va faire un petit braquage en live, ce serait pas mal. Vous avez accepté une activité de la part de Lamar, ok. Bah attends, moi je vais descendre, c'est pas que je... je suis sûr il va m'attendre. Ah ben non, même pas, il se casse. D'accord, donc on doit aller au magasin. À mon avis, il y a un peu tout le monde qui doit faire la même chose que moi. Vu que tout le monde est en train de faire le début du multijoueur, quoi. À mon avis, c'est mon hypothèse. Après, on va mettre ça comme musique. Ça, c'est vraiment beau. À chaque fois que je joue à GTA, je m'arrête pour contempler les graphismes. C'est vraiment énorme, je trouve. Par contre, on aurait peut-être dû acheter des armes, vous croyez pas? On va aller acheter des armes. Alors. Est-ce que j'aurai assez d'argent? Non, ne tue pas, je t'ai rien fait, mec. Et prends pas ma voiture, s'il te plaît. Ça serait pas mal de ta part. Non, ne prends pas ma voiture, mec, non. Bon, attends, peut-être qu'il va m'attendre. On va passer plus tard. Oh! Ah ouais! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le mec, il m'a défoncé la race. À mon avis, je suis pas le bienvenu. Ça, c'est sûr. Je suis pas du tout le bienvenu, même. Hein. Est-ce que j'ai des armes? Hein? Pour lâcher votre arme. Comment je fais pour lâcher mon arme? Oh! Eh, mais. Ah, d'accord, ok. J'ai cru que c'était des civils. Je me croyais dans le mode histoire, du coup. Je croyais. Le mec, il a esquivé. Par contre, l'autre il m'a défoncé. J'ai pas trop compris pourquoi le mec il m'a défoncé là dans l'armurerie. Je suis arrivé. Soit c'était un joueur ou soit c'était un PNJ. Je sais pas trop. Bon allez, on va aller au magasin. Ah, elle est pas mal cette voiture. Et je vais pas dire le nom des marques de voitures parce que sinon je vais me faire insulter dans les commentaires. C'est vrai que je me connais pas du tout en voiture et honte à moi d'ailleurs. J'aimerais bien essayer de royaler dans l'armurerie pour voir. Ah, attendez, je crois qu'il y a des joueurs dedans. Je crois qu'il y a des... Attendez. On va... Bon, agrandir. Ouais, il y a des joueurs dedans. On va voir. Oh putain, salut mec. Attendez, on va essayer d'y aller. Non. C'est peut-être parce qu'on avait notre arme hein, tout à l'heure. Ah, ben voilà, là il me tue pas. Salut mec, ça va? Vous pouvez réapparaître ailleurs en choisissant l'option suicide dans le menu, n'importe quoi. Bon, allez, on va acheter un petit pistolet. On va acheter lequel? Celui-là, tiens. Mais celui-là, je l'ai déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre chargeur à grande capacité. On va mettre. Ah, ouais, mais là j'ai plus d'argent là. Là j'ai 1317 de liquide et après j'ai plus d'argent dans ma banque. Et on va mettre un... On va mettre quoi? De toute façon, j'ai rien débloqué. On va prendre des balles et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est bon.
Merci monsieur. Allez, on se casse. Est-ce que l'autre il a pris un... Non, il a pas pris ma voiture. Merci mec. Alors c'est parti, on y va. Et c'est vraiment très beau. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Une quarantaine de minutes, je pense. Pour ce que j'ai à faire. Hop là, dérapage contrôlé. On y va. Donc là, on va faire un petit braquage. Ouais, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui font la même chose que moi. Oh putain! Je sais pas conduire, je sais. Ah, il y a un hélicoptère, hein. Ah, lui, il vient de voler une voiture, d'après ce que je vois. Alors, attendez. Il y a un abonné qui m'envoie un message. Mais dédicace à toi, hein. Flipper RPG Master. Tu veux faire des braquages après que t'as fini ton intro. Eh ben, il n'y a pas de problème, hein. Attendez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je monte? Y a pas de problème, hein. Écoutez, même vous qui regardez la vidéo, je... Si vous voulez, je peux tout à fait jouer avec vous, y'a aucun problème sur ça. Alors, les joueurs sont indiqués sur le radar, il s'agit de vos amis. Leur contour sera bleu. S'ils font partie de votre crew, leur contour sera de la couleur du crew. Consultez la carte. Oh, enculé, l'autre, il est en train de braquer, là. Bouge pas! Braquer le magasin. Criez dans votre micro-casque pour qu'il remplisse le sac plus vite. Non, attends, c'est une blague ou quoi là? Criez dans votre micro-casque? Non. Plus vite que ça, allez! T'imagines? Non, c'est pas possible. Oh, merde! Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois qu'il y a des mecs qui m'ont tué, je crois. Je crois qu'il y a des mecs qui m'ont tué. Vous pouvez partager l'argent de votre dernière activité via la session argent dans l'inventaire. Alors, dans l'inventaire, je sais pas où est-ce qu'il est, l'inventaire, je comprends pas trop. Bon, on va se casser parce que... Et il me propose de venir avec lui. Bon, il s'est cassé, c'est pas grave. Bah écoutez, on va rebraquer le magasin. On va re-essayer cette fois. Ah, voilà le menu inventaire. D'accord, il fallait rester appuyé sur Select. GPS rapide, d'accord, ok, inventaire. Là, on a notre argent, on peut donner de l'argent, pas mal. On a les chapeaux, 100, masque, lunettes, ah, d'accord. On va pas mettre de lunettes. Parcourir les chapeaux que vous avez achetés. Ah ouais, regardez, on voit le... Attendez, on va descendre de la voiture, regardez, je vais vous montrer. Je rêve où il y a le flic qui vient juste de me traiter ma mère, quoi. Ah, restez avec Inzem Ferry pour pouvoir partager les bénéfices avec lui. Vous pouvez acheter de la nourriture dans les commerces de Los Santos pour restaurer votre santé. Vous pouvez accéder à votre nourriture depuis votre inventaire. Pas mal. Putain, il y a vraiment plein de possibilités, hein. Donc, attendez. On va... Non, on peut changer de personnage. Alors, attends, on va prendre notre inventaire. Hop, là, on va enlever les lunettes. Voilà. Ah ouais, d'accord, on peut. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je vais garder ma casquette quand même. On peut mettre un casque. N'importe quoi. On va garder la casquette. D'accord, bah, en gros, on peut changer de vêtements. C'est un peu notre garde-robe, quoi. Simone qui m'appelle. Ça a refait. Vous voulez un véhicule et emmenez-le chez Los Santos Custom pour l'équiper d'une balise afin de pouvoir l'utiliser par la suite dans notre session de GTA Online. Ok, d'accord. Non, moi je vais braquer le magasin d'abord. Je vais braquer le magasin. On va essayer de le rebraquer le magasin. J'espère qu'il n'y a personne. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, bon, mais... ouais. Ah, je vais prendre la... Los Santos Custom indiqué par... Ok. Là, je dois aller... Attends, moi je vais prendre cette voiture, là. On va la custom. Allez, dégage.
Utilisez le menu interaction pour définir un parcours GPS rapide vers une destination. Ouais, je sais, je viens juste de voir tout à l'heure. On va aller à Los Santos Custom, les amis. C'est où? Ah, c'est pas là, ça c'est sûr. Alors, GPS rapide, distributeur de billets. Putain. Atelier de tuning, allez, on y va. Si la police vous repart à bord d'un véhicule volé, vous récolterez... Merde, j'ai pas le temps de tout lire. De toute façon, c'est un peu la base des trucs d'histoire, hein. Enfin, des trucs du scénario, quoi. Et je crois qu'il faut avoir un minimum de 25 heures de jeu pour faire l'histoire, pour faire le multijoueur. Ah non, non, c'est... En fait, oui, je confonds avec le... En fait, c'est en modifiant votre personnage... Vous pouvez, vous devez lui mettre 24 heures de sommeil, un truc du genre, pour pouvoir jouer en fait. Ça, c'est bizarre, mais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un système de, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on va mettre dans notre voiture pour pouvoir récupérer notre voiture en fait par la suite. Comme ça, je vais pas perdre ma voiture en fait. GTA 5 online a l'air quand même pas mal, hein. Ils se sont vraiment pas moqués de nous sur ce... Enfin, pour l'instant, hein, écoutez, pour l'instant ça a l'air quand même pas mal. Okay. Il y a l'air d'avoir pas mal de fonctionnalités pour l'instant, donc après je sais pas, mais... Alors, si vous équipez votre véhicule d'une balise, voilà, il sera affiché sur la carte quand vous en descendrez, voilà. Et on va équiper notre véhicule d'une balise. Vous pouvez assurer vos véhicules en cas d'accident, votre véhicule pourra être remplacé. Ça c'est bueno aussi. Pas mal de... Vous pouvez télécharger l'application iFree sur votre smartphone ou tablette pour modifier votre véhicule lorsque vous n'êtes pas en ligne et créer des plaques d'immatriculation personnalisées. Rendez-vous sur tac 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 pour en savoir plus. C'est super, y a pas mal un contenu de malade, hein. Acheter une balise et une pour vous les trouver dans une catégorie. Merde, j'ai pas eu le temps de... Alors, on répare le véhicule. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'argent, là. J'ai... Alors, comment je fais pour mettre une balise? Faites repeindre ton véhicule. Ok, donc attends. Merde. Peinture. Couleur. Emblème de crew. Oh, 25 000 $. On va la mettre... On va la mettre en vert, parce que vert, c'est ma couleur préférée. Alors, vert pomme. Mais putain, mais je peux pas changer de couleur, c'est trop cher. En plus, j'ai pas d'argent là, donc je sais pas comment je vais me démerder. Je sais pas comment je vais faire, vu que j'ai pas d'argent. Ah d'accord, ça c'est gratuit en fait. Hein. Bon, on va mettre en vert comme ça alors. Voilà. Achetez une balise pour votre véhicule. Where is the balise? Ah, c'est là. Prévention, perte, vol. Parcourir les options d'assurance et de balise GPS. Balise. Hop. Assurance tout risque. Oh putain, c'est énorme. Assurance remplace là votre véhicule une fois si celui-ci venait à être détruit. Ouais, détruit vous voulez, hein. C'est pareil, quoi. En gros. Là. Bon, mais c'est bon, hein. Petite cinématique. Ah non, même pas. Nouveau contact, mutuel. Putain. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, j'adore. Pas mal. Alors, par exemple, si je me fais voler mon véhicule, on va essayer. Par exemple, on va descendre. On va appeler la mutuelle. Attends, déjà. Pareil que les affaires tournent bien pour une boutique au coin, il devrait y avoir un sacré pactole. Alors, vas-y, faire un tour avec un allié. D'accord, on peut faire des courses pour améliorer les... Votre véhicule personnel est indiqué sur le radar. Ok. Ah, pas mal. Attends, j'arrive, mec. Attends-moi. Allez, on va faire un braquage. Utilisez une interaction pour défier un autre joueur à une course improvisée, ok. En gros, on peut faire des courses pour améliorer les... Pour pouvoir débloquer des trucs et améliorer des nouveaux trucs pour... Le mec, il dit truc dans une phrase. Pour débloquer de nouveaux accessoires pour sa voiture et pourra la tuner, quoi.
comme des pare-chocs, des trucs comme ça, enfin, je suppose, hein. C'est ce qu'ils viennent de dire, donc normalement. Je dois m'assurer que tu sais te servir d'un flingue avant de te confier du boulot. Ah, ah, d'accord. J'aimerais bien descendre, mec, parce que... Dans le menu interaction, pour mettre un joueur au défi. Désolé, mec, je sors. Ah, mais attends. Peut-être qu'il a vu mon truc du GPS, hein. Je sais pas comment ça doit marcher, mais... Alors, je vais essayer de prendre une voiture. Putain, et... Ah, c'était un joueur, ça, ou quoi, ça? Je pense pas que c'était un joueur, hein. Arrête-toi! Pourquoi je m'emmerde, il y a une voiture juste là? Alors, est-ce qu'on peut voir la... D'accord. On a que dalle d'endurance, on a rien du tout. De toute façon, ça va s'améliorer par la suite. Hein. Alors. J'aurais peut-être dû garder ma voiture, en fait, finalement, au lieu de monter avec tous les... Avec tout le monde, là. Allez. Parce qu'en fait, on est obligé d'avoir un allié pour pouvoir faire les braquages, si je comprends bien. Ah, c'est quoi cette voiture? Ah, mais c'est le mec de tout à l'heure. C'est le mec de tout à l'heure qui voulait que je monte avec lui, en fait. Il est où? Il est dans sa voiture? Non, il est pas bon. On va piquer sa voiture. On va lui piquer sa voiture. Sachant que t'étais gâton la même que moi. Sauf qu'elle est bleue. Par contre, j'aime pas du tout la radio qui est écoutée. Hein. On va changer de radio. On va mettre FM. C'est ma radio préférée, en fait, celui-là. Vous avez un peu de tout. Après, Los Santos, c'est Los Santos, quoi. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Alors, je pense pas qu'on devra faire des... Après, enfin, là, je pense que c'est plutôt une introduction. Lamar nous dit de faire des trucs, de faire des braquages, de faire des trucs comme ça. C'est surtout pour nous montrer les bases, quoi. Après, ce sera nous qui pourrons braquer les magasins quand on veut, quoi. C'est un peu dans le mode histoire. Dans le mode histoire, vous pouvez braquer avec Franklin un peu comme vous voulez, quoi. Les magasins ou les trucs comme ça. Mais par contre, c'est que avec Franklin que vous pouvez le faire, en fait. Donc là, on doit aller à Cypress Flats. Je ne sais pas trop pourquoi. On doit... Lamar nous a dit qu'on devait tester notre gun. Je crois un truc du genre. Nidicker, 14h37. Ça va, j'ai encore du temps devant moi. Alors. Extermination. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous pouvez maintenant participer à des activités. Vous pouvez les commencer de différentes manières. Entrez dans le marqueur bleu. Choisissez-les dans la section activités de l'onglet en ligne. Dans le menu pause, ok. Activité rapide sur votre téléphone ou appuyez sur X lorsque votre curseur trouve une activité sur la carte. Lorsque vous entrez dans une destination, vous avez le choix entre rejoindre ou héberger une activité. L'option rejoindre permet de chercher d'autres activités du même type pour y participer. D'accord, j'ai pas eu le temps de tout lire. La liste contient une seule. Le joueur qui détient le meilleur score. Une fois toutes les activités terminées, vous pouvez. En affrontement, vous vous battez une équipe contre les adversaires. Le gagnant est celui qui fait le plus de victimes. Oh, pas mal ça. Ok, donc c'est ça va être un peu. Vous disputez un affrontement classique contre une autre équipe, mais vous n'avez qu'une seule vie. Ah ouais, on a qu'une seule vie. Ah ouais, d'accord, ok. On va vraiment devoir faire attention. Les activités vous permettent d'utiliser vos propres armes et munitions. Vous pouvez acheter des munitions à l'écran des paris. Il y a énormément de choses à savoir. Hein. Putain, c'est incroyable. D'accord. Comme un mauvais joueur. Si vous ne le faites pas d'effort, vous restez fair play, vous ne pourrez jouer. Merde. Alors. Ah, non, non, non. C'est quoi cette musique? On peut héberger ou rejoindre? On va rejoindre, ça va aller plus vite. Allez.
Hein, alors, la radio. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Los Santos. On va mettre ça. Arme de départ, pistolet. Bon, lancement de la session, c'est parti. Votre équipe. Équipe 2 ou équipe 1, les gens? Bon, non, moi je veux être avec le... avec le mec avec la tête de mort. Signe de victoire, fumette, continuez. Acheter bol, on va acheter des bols. Prêt à jouer, c'est parti. Je suis prêt. Par contre, on est que deux. En fait, il y a deux équipes de deux. C'est pas énorme. Non, à mon avis, on doit être... vu que normalement, c'est 16 dans GTA 4, à mon avis, on doit être 8 et 8, quoi. Deux équipes de 8, quoi, non, logiquement. Ça serait logique. Ça serait pas mal aussi. Extermination. C'est parti. Bon, allez, on va essayer de se la jouer quand même assez soft. Alors, votre flèche est bleue quand vous participez à une activité d'équipe. Bon, mais... devient bleu vif quand vous êtes visible sur le radar de l'équipe adverse. Ok. En gros, si je tire, ben, je suis visible. Normalement. Appuyez sur 1 pour voir qui participe à l'activité. Ouais, en fait, c'est 2 contre 2, quoi. Je vais essayer de suivre mon copain. Eh, pas sur moi, mec. Alors, comment ça se fait que nous, on les voit et que eux, ils nous voient pas? Enfin, je sais pas. Pour quitter une activité, ouvrez la liste des activités sur votre téléphone, sélectionnez l'activité en cours et appuyez sur 1. Ah, j'augmente mon endurance, ça fait plaisir. Moi, je reste à côté de toi, mec. Hein. Est-ce que eux, ils nous voient, à votre avis? Ah, bien joué! Il n'y en a plus qu'un. Ah, il y a un mec qui regarde la partie. Ah bah oui, c'est celui qui vient de mourir, en fait. Attention, 2 contre 1. Ça serait con. Il faut essayer de rester ensemble, parce que... C'est vrai que dans les trucs comme ça, c'est mieux que de se parler entre vous, hein, les gars. Si vous jouez en multijoueur, je vous conseille de parler entre vous. C'est un peu comme Battlefield. Ça n'a rien à voir, mais bon, je fais quand même une comparaison. Hein. Attends-moi, mec, stoppé. Merde. Et voilà. Putain. Il est parti sans moi. Et là, du coup... Oh, il est vraiment fort, lui. Hein. Mais t'as vu comment il joue? Le mec, il reste planqué. Hop, et il a raison de faire ça. Au moins, il a gagné. Voilà, je m'en doutais, hein. Le mec il est parti sans moi, mais on a perdu. C'est pour ça il faut se parler. Hein. Et ouais, team 1 vainqueur, tout ça. À cause d'un mec qui. Voilà. C'est parce que on se parle pas et c'est pour ça qu'on a perdu, quoi. Et le mec a très bien joué. Il est resté planqué derrière son truc, il nous a attendu. Et voilà, tout simplement. Par contre, la visée est manuelle d'après ce que je vois. Ça fait quoi de aimer, en fait? Ça sert à quoi de... D'accord. Voter pour la prochaine activité. Oh, pas mal, on a quand même. Alors, écoutez, il y a mon ami IRL qui vient de m'inviter. Je vais lui parler. Ah, je peux pas lui parler, sinon ça va faire une sorte de sifflement dans le micro qui va être insupportable. Mais écoutez, on va prendre cette activité, hein. Le soleil, le sable, ok. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est cette activité. À combien de minutes on est déjà? Ça passe très vite quand on joue à GTA 5, les amis. Ça, je peux vous le dire. Oh, mais ça va, on est à 35 minutes. Ça va encore. Ça va, ça va. Alors. On va mettre quoi comme radio? On va remettre celle qu'on avait tout à l'heure. Voilà. On va mettre prêt, peut-être, ça serait pas mal quand même. Alors, on va mettre quoi comme pistolet? On peut pas changer de flingue, en fait, encore. Alors, voir équipe. Bon, bah, je vais en mettre avec le même mec. J'aimerais bien me mettre avec lui, quand même.
Parce que lui il est vraiment très fort. Ah mais voilà, on peut faire une équipe de 3 aussi. Non mais je vais me mettre avec lui parce que lui il est tout seul. D'accord, en fait faut être impair pour pouvoir. Enfin faut être pair pour pouvoir commencer quoi. Votre pari. Mais je vais rien parier du tout, je vais parier 100$, pas plus, parce que. Parce que je sais très bien que je vais perdre, parce que. Sinon il faut vraiment qu'on se la joue plus soft. Plus soft, oui, plus soft. Parce que l'autre là il va nous attendre comme il a fait tout à l'heure, il va nous attendre et là. On va encore perdre. Parce que lui il fait que. Ah mais il est tout seul. Attends mon mec. Alors c'est toujours les mêmes, c'est Azarty, c'est notre Fury tout à l'heure qui nous a défoncé là. Vous avez vu comment il fonce? C'est pas bien ce qu'il fait là. C'est pas bien du tout ce qu'il fait. Faudrait qu'on récupère des armes. Voilà, tout à fait. Bien mec, on va récupérer des armes. Lui il y va pas, mais moi je vais quand même récupérer une arme. Parce que le mec tout à l'heure il nous a tué super vite. C'est tout simplement parce qu'il avait une arme plus développée que la nôtre. Voilà. Déjà ça c'est déjà. Ah mais j'ai pas de munitions. Ah si, j'ai des munitions. Bien joué. Ah mais c'est bon, il a tué le plus fort. C'était notre Fury qui nous avait démonté tout à l'heure. Et voilà, par contre là il est mort. Ah mais non, c'est bon, il est pas mort. Allez, 2 contre 1, cette fois-ci on va pas se faire avoir hein. Je m'en fous. Et ouais, voilà. Et il a fait exactement pareil que tout à l'heure. Maintenant je me retrouve tout seul. Putain. Il est chiant hein, le mec avec moi. Parce qu'en fait il en tue un à chaque fois et après il meurt. Alors regardez, cette fois-ci c'est nous qui l'allons, qui allons attendre. Et voilà, oui, c'est bon. Et on a eu chaud, parce qu'en fait lui il m'a tiré dans la tête en fait. Il m'a tiré dans la tête, c'est pour ça qu'il m'a fait très 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 mal. Et moi j'ai tiré dans le corps en fait, c'est pour ça que j'ai. Ah, ça fait plaisir. Et voilà, c'est kill papa. Ça y est, j'ai gagné, je suis content. Alors, bon, écoutez, ben on a gagné, j'ai gagné mon pari alors du coup, et on a gagné 1710 d'argent, 1710 dollars, d'accord, donc là on peut faire quoi, ça sert à quoi d'aimer en fait, je comprends pas, ça, ouais ça sert à passer à une autre activité en fait, moi j'aimerais bien quand même changer d'activité, alors The Lucky 14 qui m'invite dans un groupe d'amis, qui c'est The Lucky 14, je ne sais pas trop. Petit switch, désolé. The Lucky 14. Mais désolé, The Lucky 14, je ne suis pas dispo pour le moment. Voulez-vous vraiment quitter l'écran de vote? Vous serez séparé du groupe de joueurs actuel? Ben oui. Parce que j'ai envie de vous montrer quand même d'autres trucs. On va pas faire que de l'extermination. J'aimerais quand même vous montrer d'autres activités. Ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal, pas mal. La diversité et le sel du conflit. Ben ça oui, ça c'est sûr que ça a l'air de vraiment varié. Et divers et varié, ça c'est sûr. Ah, ma voiture, si vous voulez faire plaisir, vous. Mais il n'y a personne qui a piqué ma voiture, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, il y a un supermarché, on va essayer de le braquer. Market. Vous gagnerez des points d'activité pour chaque activité terminée. Pour voir combien de points vous avez obtenu dans cette session, ces points permettent de désigner les gagnants dans les listes. J'ai gagné. Là, j'ai 1810$, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on va braquer. Welcome. Tu me dis bienvenue, mec. T'es sûr? Allez, mets les mains en l'air. Moi, je veux l'argent, je veux le fric. Allez. Et ça fait quoi si je crie dans le micro? Donne-moi l'argent. Parce que tout à l'heure ils nous ont dit de crier dans le micro casque pour pouvoir les frayer en fait. Pour ça que j'ai pas trop compris. Allez mec, donne-moi l'argent. Merci. Merci, maintenant je te tue. Voilà. Et merci pour l'argent. Yeah. 30 000$. 30 000$ dans la poche, c'est bon ça. Maintenant ça serait con de mourir. Ça serait con de mourir, on se casse. Attention, il y a les flics qui arrivent.
faire demi-tour. Putain. Merde. Oh non, il y a un hélico. Putain, j'ai 3 étoiles. Oh lolo. C'est mauvais ça. Ah, mais ils m'ont pas vu encore. Le radar rouge hein, quand la police peut vous voir. Non, mais merci, je sais. On va aller dans l'eau, on va se cacher. Non, ils m'ont vu. Oh, je suis deg. Bon, les policiers sont un peu cheatés dans GTA, hein, ça il faut le dire. Parce que je vois pas pourquoi ils m'ont vu alors que j'étais dans l'eau, quoi. En fait, c'est très mauvaise technique d'aller dans l'eau. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de semer les flics, j'essaie d'aller dans l'eau et à chaque fois ils me repèrent. Rester hors du champ de vision des policiers jusqu'à qu'ils... Non, mais... Ouais, je sais, t'inquiète, mais... Écoutez, on va prendre le flingue, on va démonter cet hélico là déjà. Oh là là, votre véhicule personnel a été détruit, vous pouvez appeler la mutuelle pour faire une déclaration. D'accord. Par contre, quand on fait un braquage, on a pas mal d'étoiles. Ça c'est... Ah putain, je vais fuir. Je vais essayer de me cacher. Ah, j'ai reçu une invitation. C'est qui m'a invité? Ah mais j'ai rien reçu. Ah, je suis caché. Wow. Pas mal de monde. Non. Wow, bah attends, les mecs, ils arrivent avec la ribambelle, quoi. Putain, les mecs sont 50 pour me tuer, quoi. Putain, les flics, c'est n'importe quoi, parce que parfois... C'est pas pour faire votre groupe a proposé des défis aux autres joueurs... Ouais. Par contre, c'est pas pour faire mon mauvais joueur, au contraire. Vous êtes sur la route, il y a le flic qui est tout droit, qui est devant vous. Et puis là, comme par hasard, il va se retourner sans aucune explication. Et alors, j'ai entendu dire dans les commentaires, sur mes vidéos découvertes dans le mode histoire, qu'en fait, il faut éteindre les phares de la voiture pour pouvoir rester plus discret. Et ça, j'ai jamais essayé de le faire. Attends, arrête-toi, mec, s'il te plaît. Dégage, voilà. Alors là, en gros, j'ai toutes les... On va afficher la carte. Là, il y a toutes les activités qu'on peut faire, en fait. Et vous savez quoi? Ah, on a les missions. Les missions, c'est les étoiles, en fait. D'accord. Vous savez quoi? On va essayer de rebraquer le magasin, parce que moi... J'aime pas perdre. Donc, on va essayer de rebraquer le magasin. Il va falloir qu'on appelle notre assurance aussi pour récupérer notre voiture. Ça serait pas mal. Cette fois-ci, on va essayer de se cacher, on va éteindre les phares et tout. Attends, déjà, il faut que je me rappelle comment faire pour éteindre les phares. Normalement, c'est... Alors. Voilà, c'est flèche de droite. Je crois qu'il faut même éteindre la radio et tout. Ouais. Salut, mec, ça va? T'as quoi? T'as des chewing-gums, t'as un peu de tout, quoi. Allez, file-moi ton fric! Pour amasser un maximum d'argent. Allez, mec, allez, dépêche-toi! J'ai tout cassé là. Et ça fait quoi si je tire à côté pour le faire un peu plus peur? Allez, dépêche. Allez, intimidation. Voilà, merci. Merci, mec. Ah, j'ai obtenu un rang. Un rang plus. Allez. Allez, on se casse. Putain, le mec il est juste derrière moi, cet enfoiré. Oh oh, putain, j'aurais pas dû prendre par là, j'aurais pas dû aller par là. D'accord, il y a un mort là. On va se casser. Oh putain, il m'a mis un coup de fusil à pompe dans le cul. Il est où? Parce que si je les tue, normalement, ça serait...
Si je le tue après. Voilà, là je l'ai tué. Normalement, je peux réussir peut-être à aller semer. Non, je vais pas pouvoir réussir à les semer. C'est vraiment chaud, hein. J'aurais pas dû foncer dans ce. J'aurais pas dû foncer là, moi. En plus, c'est un hélico, quoi. Ah, je suis coincé. Putain, c'est vraiment un fake cette vidéo, les gens. Attendez, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, on peut réussir encore. Allez, semer. Allez, accélère. Allez. Alors, on va reculer. Allez, tu vas y arriver, petite voiture. Oh putain, on va pas y arriver. Maintenez. Reprise de justice. C'est quoi reprise de justice? Pour accepter cette action, vous devrez payer 500$ pour vous débarrasser de votre indice de recherche. Oh les salauds! Non, moi je vais me casser! Je vais me casser! Ah, on va y arriver! Ah, putain. Attendez. On va essayer avec l'autre véhicule. Aïe. On va essayer de le pousser. Oh là là, c'est sans espoir. Cette activité n'est plus disponible, putain, déjà. Allez, appuie sur le champignon. Bon allez, on va pas insister, ça sert à rien. Allez, tuez-moi les gars. Voilà. Voilà. C'est dur, hein. Quand on fait un braquage, il faut vraiment gérer. Parce que après, du coup, vous mourrez et vous récupérez pas votre argent, quoi. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs pour pouvoir le faire. D'accord, il y a encore les flics, là. C'est quoi ce bordel? Ah, d'accord, il y a... Attendez, est-ce que je peux avoir mon argent en faisant... Ah bah si, j'ai toujours... j'ai 3066$. Oh, wow. D'accord, je sais pas si vous voyez, mais sur la carte, il y a un petit crochet. Comme quoi, je viens juste de braquer le magasin, en fait. Donc, est-ce que je vais pouvoir le rebraquer, le magasin? Ça, c'est une question. Ah ouais, regardez. Eh ben mec, désolé, mais je vais te rebraquer. Je vais essayer de le tuer, comme ça au moins il n'y aura pas de... Si je le tue, je crois que je vais être encore plus recherché, en fait. C'est ça le truc, c'est que... Ah, en fait, j'ai gagné 4000... J'ai que gagné 1162$, en fait. C'est pas beaucoup, hein. Vas-y, on va se cacher. Et ils m'ont vu? Mais comment ils m'ont vu? C'est n'importe quoi ça. Et je comprends pas pourquoi j'ai la police qui est tout le temps recherchée là. Je n'ai absolument rien fait. Je viens juste de braquer une banque, merde. On va prendre leur voiture et on va se casser. Désolé le gars, je passe. Dégage. Allez, cette fois-ci on y va. Ah, on a un radar GPS sur la... Ah bah oui, c'était le magasin. Putain, ils m'ont... Oh putain, et j'ai 4 étoiles là. Allez, c'est parti. Ah, allez. Dégagez. Oh putain. Le mec il m'a défoncé, quoi. Bah écoutez, on va rejoindre... Flipper RPG Master, on est à combien là? Rejoindre une nouvelle session, votre progression sera automatique. Ah ben voilà, nickel. On est à 49 minutes, bon allez. On va essayer de faire durer la vidéo au moins une heure. Parce qu'il y a trop de trucs à découvrir dans le online. C'est juste impossible de tout vous faire en une vidéo, quoi. Et puis en plus, je suis en train de faire le con là, donc... du coup, c'est un peu chaud, quoi. Alors, j'arrive, Flipper.
Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer? C'est bon, alors. Votre véhicule personnel a été détruit, vous pouvez le récupérer à l'heure mutuelle pour faire une déclaration. Écoutez, on va tester, on va... Contact... Dom, non. Downton, non. Mutuel. Si vous voulez faire plus, vous recevrez régulièrement une récompense. Ça, c'est bien, ça évitera que les mecs quittent lors de, d'une partie. Lors du cours de la partie. J'arrive pas à parler aujourd'hui, moi, c'est affolant. Oh, d'accord, c'est bon, on a notre véhicule qui a apparu. Alors, je comprends pas. Parce que là, en fait, il m'a invité, mais qu'est-ce qu'il me propose? Envoyer un message. Qu'est-ce qu'il va me proposer de faire là? On va agrandir la carte. Donc. Ah, il est là en fait. Hein. Je crois que c'est en partie privée. Il me semble. Autre joueur Flipper Master. Je sais pas qu'est-ce qu'il va. On va essayer de récupérer notre voiture. On va aller récupérer notre voiture. Ça serait pas mal quand même. La prochaine fois que je vous ferai une vidéo sur GTA 5, je pense que ça sera en comment dire, je vais y arriver, avec des amis à moi. Donc là j'ai 2700$. Moi je pense que c'est en partie privée. Hein. Encore un magasin à braquer. Est-ce que on va est-ce qu'on tente de voler, de braquer encore une fois le magasin et encore deux mots? Ah, c'est un truc de billets en fait, ça. Pour utiliser le distributeur. Choisissez une opération. Ah, d'accord, je peux mettre mon argent sur ma banque. Ça évitera de me faire voler par les autres joueurs. Et versement. On va verser tout mon argent, vous savez quoi? Hop. Oui. Transaction en attente. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai tout mon argent en banque. D'accord. Bah, écoutez, c'est nickel. C'est nickel, tout ça. Bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter sur ça parce que... la vidéo a déjà duré une heure. C'est déjà pas mal, hein. J'espère que je vous ai montré pas mal de trucs. Écoutez, ça sera pas la dernière vidéo sur GTA 5 Online. Je vous ai pas montré trop de trucs. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, les gens. C'est tout ce que je peux faire pour vous pour aujourd'hui. Là il y a un magasin, ce magasin on l'a déjà braqué en fait. Bon oui, alors attendez, on va se laisser sur le message de Flipper. Je joue en partie privée, viens, je vais te faire gagner du fric. Ah bah avec plaisir mon petit, avec plaisir. Donc voilà, bah écoutez, on va se quitter sur ça. Et vous voyez là, on peut voir que j'ai braqué déjà les deux magasins. On va se quitter sur ça, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur GTA 5. Et je vous invite à aller voir ma chaîne les gens qui me découvrent. Allez ciao et à la prochaine.